Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Tonton du 81. On continue l'aventure sur Pat' Patrouille. Eh bien oui, nous revoilà donc pour le chapitre 2 de Pat' Patrouille sur PS4. Tu as gagné un nouveau trophée? L'aventure numéro 2, donc sauve les Incroyable! moutons. Tu Oh là peux là, jeter un ça œil a à tes l'air trophées d'être une mission, mais des plus ici. Utilise le délicates. joystick gauche pour te déplacer Aujourd'hui, jusqu'au notre trophée. joueur Mini-boss, professionnel, mini-trophée. Loulou, n'est pas là. C'est Et ici que oui, tu peux donc je le regarder tes remplace, trophées. mais il Tu reviendra peux très voir quel trophée prochainement, tu as gagné et sûrement pour le trouver chapitre comment en 3. gagner plus. Voilà, Tu as écoutez, je vous gagné ce laisse trophée découvrir en donc terminant une ce fameux mission de chapitre et on se sauvetage. retrouve tout à l'heure. Tu as gagné ce trophée en trouvant une empreinte de pâte dorée. Tu as trouvé chacune des 5 empreintes de pâte dorée en une seule mission de sauvetage et tu as gagné ce trophée. Tu as déverrouillé ce trophée en gagnant une friandise pour chiot en bronze dans n'importe quelle mission de sauvetage. Tu as déverrouillé ce trophée en gagnant une friandise pour chiot en argent dans n'importe quelle mission de sauvetage. Tu as déverrouillé ce trophée en gagnant une friandise pour chiot en or dans n'importe quelle mission de sauvetage. Tu as déverrouillé ce trophée en gagnant une friandise pour chiot en platine dans n'importe quelle mission de sauvetage. Tu as gagné ce trophée en terminant une mission de sauvetage. Toutes les pattes sur le pont. Les amis, nous avons... Les chiots, nous avons une nouvelle mission. Sauve les moutons. Utilise le joystick gauche pour te déplacer. Pat' Patrouille, rassemblement! Nous avons tout juste appris du fermier Hal que ses moutons sont coincés. Le vieux pont s'est effondré et ils ne peuvent pas rentrer. Stella doit voler très haut pour trouver où sont les moutons. Rocky doit réparer ce pont. Puis, les moutons pourront rentrer à la maison en toute sécurité. Ensuite, Chase peut utiliser sa sirène pour pousser les moutons hors de la route. Marcus peut utiliser son échelle pour donner un coup de patte à Rocky et l'aider à atteindre le pont. Très bien! La Pat' Patrouille part en mission! Les moutons sont sur une route juste à côté de la ferme. Aide Stella à voler dans les airs pour trouver où sont les moutons. Pour tirer la corde vers la gauche, déplace le joystick gauche. Dépêche-toi, tu dois passer le passage avant qu'il ne se referme. Bravo! Nous y sommes presque! Aide Stella à utiliser son sac à dos pour s'envoler jusqu'en haut. Pour utiliser le sac à dos de Stella pour s'envoler jusqu'en haut. Continue de ramasser. Spectaculaire! Tu as réussi! Il y a une empreinte de pâte dorée juste à côté. Tu as obtenu une empreinte de pâte dorée. Ramasse toutes les empreintes de pâte dorée que tu peux trouver. Les moutons sont quelque part sur le chemin. Suis le chemin pour trouver les moutons. Ramasse toutes les friandises pour chiot en une mission pour gagner une friandise pour chiot spéciale en guise de récompense. Thank you.
Tu as obtenu les friandises pour chiots. Choisis une capacité de chiot que tu devrais utiliser. Tu as réussi! Regarde le vent! Stella peut sauter dans le vent pour voler dans le ciel. Active le sac. Aide Stella! Elle doit s'envoler! Utilise le joystick gauche pour déplacer Stella dans les airs. Attention aux oiseaux et aux nuages orageux. Puis aide Stella à piloter dans le vent. Parfait! Hourra! Tu as trouvé une empreinte de pattes dorées. Essaie de voir si tu peux toutes les trouver. Bravo! Trouve et ramasse toutes les friandises pour chiots que tu peux. Pas incroyable! C'est chouette! Bien. Tu as aidé Stella à voler dans le ciel pour trouver les moutons. Une empreinte de pattes dorées. Tu as réussi. Ramasse toutes les empreintes de pattes dorées que tu peux trouver. Ramasse toutes les friandises pour chiots que tu trouves pour gagner des friandises pour chiots en guise de récompense lorsque tu reviens à la tour de contrôle. Stella a trouvé les moutons. Maintenant, Chase doit nous aider à les pousser hors de la route. Choisis la capacité de chiot que tu as besoin d'utiliser. Très bien! Maintenant, nous pouvons continuer. Tu as aidé Stella à trouver les moutons et tu as aidé Chase à les pousser hors de la route. C'est au tour de Rocky maintenant. Aide-le à réparer ce pont pour que les moutons puissent rentrer. Continuons d'avancer. Trouve toutes les friandises pour chiots que tu peux. Nous devons monter. Rocky peut recycler ses morceaux de matériaux pour faire une échelle. Pour aider Rocky à... Tu as aidé Rocky à fabriquer une échelle. Maintenant, nous pouvons continuer d'avancer. Pour aider Rocky à grimper l'échelle, déplace le joystick gauche. Incroyable escalade! Continuons d'avancer! Tu as trouvé une empreinte de pattes dorées! Essaie de voir si tu peux toutes les trouver! Ramasse toutes les friandises pour chiots en une mission pour gagner une friandise pour chiots spéciale en guise de récompense.
Pour tirer la corde vers la gauche, déplace le joystick gauche. Dépêche-toi, tu dois passer le passage avant qu'il ne se referme. Le pont effondré est juste devant. Continuons d'avancer. Trouve toutes les friandes. Bravo! Nous y sommes presque! Je détecte une empreinte de quelle capacité de chiot? Incroyable escalade! Continuons d'avancer! Trouve et ramasse toutes les friandises pour chiot que tu peux. Une empreinte de pâte dorée. Tu as réussi! C'est trop haut pour que Rocky saute. Peut-être que Marcus peut l'aider en utilisant son échelle. Choisis la capacité de chiot qui t'aidera à avancer. Très bien! Maintenant, nous pouvons continuer. Tu as ramassé. Rocky peut utiliser ses matériaux de construction pour fabriquer de nouvelles pièces pour le pont. Pour aider Rocky à Pas de fait. Aide Rocky à déplacer les pièces au bon endroit. Utilise le joystick gauche pour déplacer la pièce. Pour placer la pièce à l'entrée. Pas incroyable! Bravo! Tu as placé toutes les pièces et aidé Rocky à réparer le pont. Maintenant, les moutons peuvent rentrer à la maison. Bravo! Tu as placé toutes les pièces et aidé Rocky à réparer le pont. Maintenant, les heureux moutons peuvent rentrer à la maison. Bravo, la Pâte Patrouille! Bon, ben voilà, on a terminé le chapitre 2. Rien d'insurmontable. Franchement, c'est un jeu assez facile. J'avoue, les enfants de 3-4 ans peut-être auront du mal au niveau du ciel, où il fallait voilà, monter, descendre, etc., faire attention. Mais bon, en 2-3 fois, c'est une prise de main à avoir. Après, écoutez, on verra très prochainement dans le chapitre 3 si ça se corse ou pas. En attendant, à très bientôt. Ciao, bye bye!